Et salut à tous les amis, c'est PFR FootFR. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la carrière joueur avec sur FIFA 20 avec donc Nicolas Torres, le joueur qu'on a créé. Et je commence à l'OM et on va tout de suite démarrer hein, pour voir si on joue d'abord dans ce. Voilà, dans. Comment on appelle ça les. Cette phase de préparation. Objectif de la saison. Note moyenne par match d'au moins 6, 5 passes décisives et 7 buts cette saison. Voilà, on a 71 de général. Et c'est parti. On y va face à Bologne pour démarrer. Ah, j'ai mis attaquant droit, mais je joue en pointe. Bon, et eh bien, ok, en pointe. Si vous voulez. Allez, eh bien, c'est parti. Salut à tous, ici à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Nous allons bien évidemment vous commenter ce match avec Pierre Ménès. Un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison. Allez. L'Olympique de Marseille face à Bologne. Oui, c'est le premier match de la pré-saison. C'est le moment de commencer à travailler les automatismes entre les joueurs, de jauger aussi un peu l'état de forme des uns et des autres. C'est en fait le moment où l'entraîneur commence son vrai travail. Ah, la passe Ah n'est pas non. à destination. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3. Allez. Et 3. Ah, j'espère c'est risqué que, en fait, tout dépend alors de qu'on joue encore rôle, sur de la FIFA 19 participation avec notre défensive des carrière ailiers. joueur, notre joueur actuellement à la Juventus de Turin, et là on démarre une nouvelle carrière. On verra bien où ça va nous mener. La Peut-être passe beaucoup est de titres, coupée, beaucoup bien de buts, défendue. on l'espère. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Ah non. Bonne intervention, intervention parfaite, hein, bonne anticipation. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu? Ah, ok. Hors-jeu. Si c'était vers moi La cette bonne lecture là balle. pour intercepter ce ballon. Il a Aïe. eu le bon tacle. Pas de faute. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. C'est un ballon dans Ah l'espace, c'est cadeau. La bonne passe lobée dans le dos de la défense. non. Ouh, le ballon Oh, bien la tête pour là-bas et centrer. C'est un ballon qui sortie sort de but. en sortie de but. Jordan à ma vie. Perrin. Ah, je Oh là là, cherchais on a à compris chander l'intention, d'elle, mais mais j'ai pas c'est un réussi. adversaire hein, qui récupère. La passe est interceptée. Marseille qui. Bon, quand même un club qui déchaîne toujours autant de passion en France, hein. Oui, c'est un club qu'on adore ou qu'on Ça fait bien déteste, hein. tourner côté C'est une marseillais. ambiance très spéciale. Quand tout va bien, tout va formidablement bien. Par contre, quand tout va mal, c'est l'enfer. Roberto Soriano. Certic. Jordan à ma vie. Ballon donné sur l'aile. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Cherche une solution là. C'est dans le Oh, le paquet. centre, dommage. Roberto Soriano. Gary Medel.
Les Marseillais à l'attaque. Ah non, dommage. Allez, toujours 0-0 dans ce match. Roberto Soriano. Oh, c'est bien donné en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, Svanberg. Ouh, ouais, c'était dangereux. C'était dégagé. Il a eu raison. Gary Medel. La grosse occasion. Oh, la frappe et l'arrêt du gardien. Oh, oui, joli. Bien joué, le gardien. De Dia. Ah, il est bien parti ce corner. Pas de problème pour le gardien. Nouvel arrêt. Un corner qui. Finalement, le gardien qui repousse. Derrière, il continue d'avancer. Attention, la frappe et le nouvel arrêt du gardien. Par le gardien. C'est un corner qui va être tiré. L'occasion pour cette équipe de prendre l'avantage dans ce match. Bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Allez, il faut centrer. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Il faut trouver une option disponible. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Tertic. Et la mi-temps. C'est la mi-temps. Sur ce score de 0-0. Le coup d'envoi de la seconde période ici dans la Johan Cruyff Arena. Oui, en termes de possession pure, c'est vrai, les deux équipes font jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre, ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. On cherche la faille dans la défense adverse. La frappe à côté du cadre. On ne le trouve pas sur cette frappe. Gary Medel. Il y a beaucoup d'experts qui parlent de la fameuse rumeur de transfert. On essaye simplement de faire monter les enchères, mais c'est de bonne guerre. Ouh, attention. Attention, il va frapper. C'est contré. Sorti des limites du terrain. Ce sera un corner. 5m50. Ah non, ça a été doublement contré, visiblement. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Ouais. Payet qui va rentrer. Perrin, Payet. Ouh, attention. Gary Medel. Ouais, bon. Et bonne récupération. Sur ce tacle. Bonne intervention. Ah non. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Nicolas Sanson. Allez, il n'est plus tout seul. Roberto Soriano. Cherche une ouverture, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? La frappe et l'arrêt du gardien. Par le gardien. Roberto Soriano. Ah. Eh oui, la récupération. Payet. Strootman. Tertic. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, bien on attend. Payet. Oh, la faute sur Payet. L'OM obtient un coup franc. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs Thauvin qui va rentrer à la place de Hacker. Vader Germain. Dimitri Payet. Germain. Il cherche une solution. Oh, la frappe qui est contrée, bien défendue. De Torres. Ah oui, oh, bien défendu. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Vader Germain, Strootman, Dimitri Payet, Jordan Amavi.
Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Oh non. Oh, attention, c'est pas fini. Non, non, on a compris l'intention. Ah, dommage. Mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Il essaye de trouver la faille. Frappe contrée. Nouvelle frappe. Poli. Roberto Soyan. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Quelle position il m'a mis là? Voyons. Non. On peut pas voir la compo? Et non, on peut pas voir. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il y a Ndemeli. Ou attention, la frappe à côté du cadre. Ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. Allez, voilà, un changement pour l'OM, Pierre. Benedetto qui est rentré. Strootman. On est entré dans les 5 dernières minutes et toujours ce score nul et vierge. Dario Benedetto. Oh, c'est bien venu, oh ça. Oui, c'est bien fait. Pas le ballon. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Ah non. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et voilà, la fin de ce match sur le score de 0-0. Deux équipes à égalité. Et ouais, 0-0 entre les deux équipes. Deux tirs pour moi. 6,4, ouais, bon, c'est pas mal. Allez, on va poursuivre face au PSV. Et on est titulaire. Allez. Hop, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Aux commentaires, Hervé Matou et Pierre Ménès qui vous font vivre tous vos matchs. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. Le PSV Eindhoven affronte l'Olympique de Marseille. Oui, voilà, deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout, car même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner, de soulever le trophée. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? De soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. Hiroki Sakai, allez, fait s'appliquer pour centrer. Ah non, il perd le ballon, Germain. Ensemble, le 11 de départ. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Et bien joué. Avec sa touche maintenant. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. C'est un milieu à 3 hein, qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Oui, c'est un vrai joueur d'équipe, très à l'aise dans l'entrejeu. Il facilite la transmission avec son rôle d'organisateur. Non, elle est interceptée cette passe. Hiroki Sakai. Vader Germain. Oh, oh oui, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Ah oui, le tir. La frappe et l'arrêt du gardien.
ouverture là pour intercepter ce ballon. Ah, dommage. Non, applique ta tête. P1, Boubacar Camara. Jordan Amavi. Allez, c'est bien fait. J'ai personne en soutien, je suis passé. Attention à la frappe. Oh oui, magnifique. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Sacré exploit individuel, vraiment. Il a su profiter des espaces que les Boum. Défenseurs lui ont laissés. Je sais pas comment j'arrive à passer, mais pas je suis passé. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Et c'est l'OM qui mène au score. Allez, 1-0 pour Marseille. Mon premier but en pro. Gutiérrez. Allez, la bonne récupération. Ah non, donne-la en l'air. La passe est coupée et bien défendue. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. On cherche la faille dans la défense adverse. Steven Derwig. Ah. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et la bonne récupération. Attention. Ouh. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, non, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Ouais, on peut pas tellement parler d'occasion de but, mais là, quand on voit ces Allez. Statistiques, il aurait peut-être le dégagement du gardien. Un peu plus pour espérer autre chose que de courir après le score. Oh oui. Il a bien vu. Non, pas là. Un ballon pour l'adversaire. Je l'avais vu à l'opposé. Steven Derwig. Bergwijn. Il y a du monde pour reprendre. Oui, il bonne défense de l'OM. Il y a peut-être moyen là-haut. De placer un contre. Oui, attention. Bien. Ah, il est hors jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Ah, il n'y a pas grand-chose du tout. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. En profondeur, oh oui. Oui, bien vu. Ah, la vitesse, il me reprend. Ce ballon. Touche pas mal placé là pour l'OM. Allez, faut centrer, c'est le moment. Chercher une ouverture, bien sûr. Kevin Strootman, Germain. Et ah, j'ai pas pu frapper. Dans sa surface. Et la mi-temps, et voilà, sous ce score de 0 à 0. Un petit but, simplement 1-0. 1-0, pardon. N'importe quoi, moi. 0 à 0. 1-0. Marseille qui a donc viré en tête à la pause. On va voir maintenant quel sera le scénario de la seconde période. Le long de la ligne de touche. Ah oh, oui, il est passé. Pour éviter le tacle. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Ah, dommage. Ce dégagement qui file en touche. Ah, dommage. Gutiérrez. Et d'après certaines infos qui circulent, la Roma aurait fait une offre pour le recrutement d'un joueur. Pour le moment, ce n'est qu'une attention, rumeur. Attention, Bruma sur le côté gauche. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ben droit,
côté. Ouais, là, je m'embrouille. Strootman. Valère Germain. On cherche une solution. Voilà, la frappe et l'arrêt du gardien. Strootman. Attention. Ouah. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Beaucoup plus d'occasions dans ce match, en tout cas, intervention, que dans le précédent, bon pour notre joueur notamment, et pour l'équipe. On va attendre deux jours. Ah, dommage. Allez, il y a de la place dans le couloir. Allez, Bruma. Le centre. Bien. Il est mal donné ce centre, dommage. Strootman. Hiroki Sakai. Non, elle est interceptée cette passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou attention. Stevenberg-Ven. Attention. Attention. Ah, la frappe. Ah, l'arrêt du gardien. Sur ce plongeon. Attention, le corner. Un corner adressé au niveau du plan. Oh, oui, bien fait. Joué le gardien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ou la frappe, oh, le et le nouvel arrêt. Pour rassurer tout le monde. Ouais, c'est pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Un corner qui va arriver en plein milieu de la attention. Surface. Attention. Le dégagement du point du gardien. Mauvais dégagement là, attention. Un duel pour la récupération du ballon. Oula, cette défense n'est pas infranchissable aujourd'hui, hein, contrairement à son gardien ah, qui a sorti non. un arrêt exceptionnel. Le score ne change pas. Bonne transmission. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Attention, le ballon sur le côté droit, là-haut. Gareth Hendricks. S'il avance balle au pied. Ah, il est passé, le centre. Ouh, la tête à côté du cadre. Cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Valentin Rogier. Ah non. Gareth Hendricks. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Valère Germain. La passe est ah, interceptée. Non. Ah, dommage. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ah, attention, le centre bien repoussé bon, par la défense. Se trouve les yeux fermés aujourd'hui, Pierre. Ouais, ils font bien tourner le ballon, c'est collectif. Il alerte son partenaire dans le dos. Il essaye de trouver la faille. Ah non, il dommage. Il a dégagé ce ballon. Ah, le bon centre dans la surface. Et le ballon qui sort en touche. Changement pour Marseille. Du PSV. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Ah, je peux pas minutes, le protéger. 2 minutes de temps additionnel. Un ballon pour l'adversaire. Oui, c'est bien fait. Allez, mais par là-bas. Ah, pourquoi il fait pas d'appel? Mais bon, voilà, c'est pas grave, on a gagné. C'est terminé. La défense a été vraiment énorme dans ce match. On a eu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match, il a toujours su accélérer le jeu, c'est une superbe performance. Et la victoire, premier but pour Torres. Beau but d'ailleurs.
Et on va faire le petit entraînement. Voilà. On est passé à 72. On voit. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On never decide, bye, bye, bye.